demain, ça va continuer. Ah, ça va continuer parce que demain, Patrick Bruel sera sur scène aux côtés de Johnny Hallyday pour le Flashback Tour à Bercy, diffusé en direct sur TF1. Justement, Patrick, Johnny est avec nous. Johnny Hallyday, en duplex, à quelques minutes d'entrée sur scène. L'hôtelier. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, Nikos. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, les élèves. Ça va bien? Super. Oui. Vous voir, ça nous donne une pêche énorme. On prend l'énergie de Bercy, on vous donne la nôtre. Bon, là, j'ai une petite surprise pour les élèves ce soir. Ah. Mais je vous la dirai un peu plus tard, parce que là, on m'attend pour faire mon spectacle. Et puis demain, alors à tout à l'heure. On va découvrir la surprise tout à l'heure. Bon concert, chantez-les toutes. Hein. Toutes. On sera là pour vous voir. Et puis demain, soirée spéciale. Ok. Consacré à Johnny Hallyday, du très grand spectacle comme il sait faire, et à tous les fans qui n'ont pas pu assister au concert. Rendez-vous demain sur TF1 pour ce magnifique show qui sera présenté par Benjamin Castaldi. Et allumez le feu. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allumez le feu, le taulier. Et Johnny sera avec nous la semaine prochaine. Chose promise. Chose due. J'ai une petite surprise pour vous. Venez, venez, les garçons. Chose promise, chose due. Il est temps de découvrir la promesse du taulier. Le message de Johnny Hallyday pour vous. Regardez. Bonsoir. Je ne peux pas vous parler en direct parce que, comme vous le savez, je suis sur scène en ce moment même. Je vous disais tout à l'heure que j'ai une surprise pour vous. J'invite demain soir deux élèves à venir avec moi en coulisses à Bercy et à assister à mon spectacle. Ces deux élèves sont Brice et Ludovic. Alors, à demain soir, les gars. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est énorme. Énorme. Quelques minutes avant de monter sur scène, il vous envoie un petit message. Et vous attend surtout demain. Vous êtes content? Non. Si. Alors dites-le. Je suis très content. Je suis ravi. C'est énorme de rencontrer un chanteur comme Johnny.